les mystères des réseaux sociaux pour ton business. OK? Et aujourd'hui, plus que jamais, tu dois te poser la question, pourquoi mon business doit être sur l'Internet et surtout dans les réseaux sociaux qui se sont, qui aujourd'hui, c'est infini le monde des réseaux sociaux. Et je veux te reprendre les 5 raisons pour lesquelles moi, je pense que ton business doit être dans les réseaux sociaux. Déjà, pour commencer, être global. OK? On passe de être local à être global. Quand tu es dans les réseaux sociaux, peu importe où tu te trouves, tout faire pour aller dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville. OK? C'est ça, être global. Donc, tu as déjà un grand monde. Le réseau social, ils ont tout facilité pour que tu puisses commencer à vendre et avoir des clients partout. Deux, le coût d'acquisition des clients. Ça, c'est super important. Combien ça te coûte avoir un département de marketing physique qui sont en train d'appeler les gens? Imagine-toi, si peut-être tu es en Afrique et tu dois contacter des clients en Europe, combien va te coûter l'appel? Tu vois? Donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut contacter les gens avec multidimension à des coûts très, très, très bas. Donc, il faut que tu prennes avantage de ça. Trois, le positionnement de ta marque. Les gens aujourd'hui disent, OK, comment on va connaître, par exemple, Richard Tati dans les 4 coins du monde? Moi, j'habite en République dominicaine. Les réseaux sociaux me rapprochent de toute cette histoire. Donc, toi aussi, ton business, tu dois aussi essayer de voir comment tu dois positionner ta marque dans les réseaux sociaux. Et la plus grande avantage de cela, c'est que tu peux vendre de une personne ou de une seule vidéo et cette vidéo sera vue et revue par plusieurs personnes. OK? Quatrième, acquisition de données. Je me suis toujours dit, ces années venant qui viennent, les données, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu as les données des personnes, tu peux toujours reconsulter. Mais ça ne sert pas seulement d'avoir les données. Les données, il faut les utiliser. Pour moi, c'est le cinquième pas. Analyser les données. Comment tu dois faire pour analyser ces données? Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Et par rapport à ça, toi, tu m'as rendu compte de quelque chose très important. Rappelle-toi de ceci. Je veux un maximum niveau d'activité pour avoir un impact digital pour ces prochaines années. Bonne journée et succès.